installez-vous. Cette nuit, sur la rocade portuaire et au niveau du port, nous avons eu des tentatives assez fortes et assez violentes de plusieurs migrants, plusieurs groupes de migrants, pour bloquer la circulation. Et bloquer la circulation, ça veut dire tenter de s'introduire dans les camions. Donc tout ça, nous l'avons bien sûr empêché, mais il y a eu des face-à-face compliqués entre les migrants et la police. Ce qui s'est produit aussi cette nuit, et ça c'est un phénomène un peu nouveau, et nous allons le traiter, c'est par rapport aux riverains qui jusqu'à présent, certes, déjà subissaient quelques nuisances, mais jamais au point de ce qu'ils ont vécu cette nuit, où des migrants, alors il n'y a pas eu d'affrontement physique du tout, mais les migrants ont pénétré souvent dans leur propriété pour se procurer des objets pouvant servir à bloquer les camions sur la rocade. Vraiment, nous allons faire attention à ces personnes, il n'y a pas de raison qu'elles subissent des désagréments. Nous avons un dispositif policier important et nous devons à la fois assurer la protection de la rocade, la protection du port, la protection d'Eurotunnel, mais aussi et surtout la protection des personnes. Quand on s'appelle Butch, voilà.